chaque fois, hein. Métro, Ballard. On va voir où ça nous mène après. Bah à la fin Boulogne, comme ça je te raccompagne, tu vois ce que je veux dire. On reste dans Paris, ce qu'on a à faire dans Paris. Parce que si on fait les allers-retours gauche-droite, laisse tomber, c'est mort. Ah en fait, là, ils montent et ils descendent les escaliers, ça les amuse. Ils font leur sport. Le gars qui monte là-haut, il est chaud quand même. Putain, moi, je me casse la gueule tout le temps, moi. Hé, hey, poteau, t'as vu ça? Mais non, même pas, c'est que je me casse la gueule, je tombe en fait là. Quel con, et moi j'avance. Waouh. Tu veux me prendre une petite photo vite fait? S'il te plaît. Bouge pas d'où t'es. Ah, c'est toi ça. Merde, c'était quoi? Ça rend bien? Ouais, juste une chambre. Ouais, propre. Je préfère celle-là que celle de tout à l'heure, tu vois. Tu sais, moi je serais compliqué avec ma gueule en photo. Comment? Bien vu. La photo, c'est savoir prendre des risques, MDR. T'aurais été chaud? Tu marches sur le rebord là-haut? Ouais. Et là, il vient de voir. Pas faux non plus. S'il n'y a pas de vent qui fait beau, je t'as pas peur? Non. Putain. Genre quoi? Être à 2 cm précis. Ouais. Tu vas me dire, on tombe, il nous arrive rien là, hein. C'est de la flotte en dessous. Ouais, mais j'aime pas tout. Tu tombes direct en bas là. Ça m'inspire pas confiance.
sais pas, on va voir. Hein. Bien vu, merci. C'est vrai en plus. Ça sent la menthe. C'est pas de la menthe, ça. Je sais pas, il y a une odeur. Tu me fais un thé, poteau. MDR. Ouh. Les photos d'hier? Oui, les gens d'hier, ouais, c'est sur. Bah, c'est. Je les ai trouvés sur Insta. J'ai commencé à papoter avec eux, blablabla. J'aime l'urbex et tout. J'aime bien ta vidéo et tout. Voilà, félicitations. Point barre. Tu vois, j'ai pas continué un ou trop. Hier, je poste un petit statut sur Facebook, tu sais, avec la photo, là, une photo photo couleur unie derrière, et tu marques quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si t'as déjà testé ça. Bref, je marque qui est chaud pour faire un château abandonné ce soir. Je sais plus ce que j'ai mis exactement, bref. Et puis, ouais, la fresque là-bas. Et puis il y en a pas mal qui me répondent ouais chaud chaud c'est où tu sais, je donne pas le plan directement quand même. Parce que c'est quand même moi qui l'ai trouvé avec un pote bon, le mec qui est venu avec moi, bon très bien, je te file le plan, t'es avec moi, tout va bien tu vois. Ouais, je lui dis c'est pas loin de Boulogne, c'est tout ce que je lui dis, je lui en dis pas plus, il se démerde après s'il veut chercher plus. Et puis le gars il vient là. Il met un commentaire, ouais je suis chaud, par contre ça sera qu'en début de soirée parce que j'ai un tournage l'après-midi. Ah, je lui dis vas-y pourquoi pas. Il me dit 19h30, bon il a eu un peu de retard le pauvre parce qu'il y avait pas mal de bouchons. Ouais tu vois, pardonnez c'est bon, on se prend pas la tête. Et puis voilà. Voilà, il est venu et puis on a. Comment ? Essayez de rentrer dedans. Ah ça, d'accord tu me montrais parce que c'est abandonné. Urbex, ça continue. Ouais, bah écoute, mais je suis pas par où. Hein. On dirait un bar. Ah non, il y a des chaises. C'est vraiment abandonné, j'ai pas l'impression. Non, il y a des lampes et tout. Comme ça, on bouffe chez moi en même temps, le sandwich. Et puis on repart. J'y monte. La porte est ouverte, je passe et je rentre. Donc c'est pas. J'ai même pas le code, si tu les reveux, je peux même pas te les filer, je les ai pas. Oh putain, faut. Ah oui, je m'en souviens de ce coin. Ouais. Ouais ouais, j'ai la flemme. C'est plus simple par là. Si. Mais on laisse tout chez moi, tu vas venir rechercher ça à quand hein. La semaine prochaine, je peux pas. Ouais.
Comment? Le poteau? Ah écoute, ouais, hein. Ça peut... Je sais pas ce que je vais en faire. Ça, tu peux en faire une table, ouais. Pour jouer avec les gamins. Faire un truc, je vais faire un truc avec les gamins. Si tu me le laisses, ça sera pour les gamins. Bon écoute, on voit où on arrive. On se trouve un métro. On se jette dedans. On bouffe et on repart. On fait comme ça? Parce que je me vois pas trimballer. Bah attends, on continue, voir quand même jusqu'à où ça va, qu'on soit pas venu pour rien. Pour qu'on finisse cette portion, quoi, qu'on revienne pas, parce que moi j'ai pas envie de revenir perso. Il y a une porte ouverte en plus. Mais apparemment, elle est où la petite ceinture? C'est encore ça, tu crois? Ah bah écoute, en plus on arrive à la fin. Putain, ça se trouve, c'est arrivé tout ça. Là, il y a une porte. Et alors? Viens, de toute façon, c'est dimanche, il n'y a personne. Hein. Tu crois? Ouais, c'est ouvert, écoute. Hein. On va voir jusqu'à où ça va quand même. Parce que, comme je te dis, j'ai pas envie de revenir ici, quoi. Ou sinon, on revient, mais bon. Faut être sûr qu'il n'y a plus rien, quoi. Il y a un tunnel là-bas, vas-y, on continue le tunnel, on va où ça va. C'est un camion de chantier, ça. Non, mais il y a personne dedans, t'inquiète. Attends, reste là, au pire. Oh putain, c'est la SNCF. Comment? Je sais pas où ça mène plus loin. Bon, de toute façon, c'est désert, il n'y a plus rien. Je crois que c'est une caméra là. Non, tranquille. On va devant le tunnel là-bas. Ouais, mais celui qui conduit les trains, on s'en fout. Je crois qu'il va arrêter le train pour te parler. Je pense pas, non. Par contre, là, ça a l'air désert. Va trouver un métro ici. Comment? Ouais, mais c'était la petite ceinture ici avant. Ils ont tout explosé, quoi. Bien, apparemment il y a une descente et c'est fini. En gros, il n'y a plus rien à voir, quoi. Ou elle reprend plus loin, c'est ça qu'il faudrait se voir. C'est pas waterproof ça? Il y en a plein qui le... Oh putain, il y a une grille. Ça se trouve, on... Ouais, non, je l'escalade pas. Ah non, elle est ouverte. Mais non, c'est pas possible. Donc la petite ceinture s'arrête là. Il y a un problème là. Ton bâton là, attends, je tiens la barre. Yeah.
nous pomper l'air toute la route. Ça marche de l'autre côté. Ouais, un mec qui veut faire de l'urbex.